Audience solennelle de rentrée du TGI ce matin. Dans le hall du tribunal de grande instance, le procureur de la République, Michel Vallet, s'est adressé aux figures institutionnelles de la ville, du département et de la région pour décliner les chiffres et le bilan 2011 d'une activité judiciaire toujours aussi soutenue. L'année dernière, le parquet a enregistré plus de 99 000 procédures contre un peu plus de 78 000 en 2010, soit près de 30% d'activités supplémentaires. Toujours plus d'activités et, comme l'a rappelé le chef du parquet, toujours moins de moyens. Un manque de moyens sur lequel est revenu également le président du TGI, Bruno Steinmann, qui a souligné la position tout à fait honnête du TGI de Toulouse, puisqu'avec une durée moyenne de traitement des affaires de 6,9 mois, la ville rose se place derrière Lyon et Lille, mais devant Marseille et Bordeaux. Après un bref tour d'horizon des dernières avancées mises en place par le législateur l'année dernière, comme la réforme de la garde à vue ou encore la loi LOPCI 2, les autorités du parquet ont rappelé que jamais notre société n'a eu autant besoin d'une justice forte et respectable pour lutter contre le fléau de la délinquance, dont les tout derniers chiffres à Toulouse seront dévoilés d'ici quelques jours.